indique que votre système écho est 100% opérationnel. Par ici, s'il vous plaît. Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, accompagné de Léonours, Carizov et Ouro. Hi. Ouro, oui, d'ailleurs, qui a été spoté avec son téléphone, son message. Ouais, ouais. C'était un accusé de réception, n'est-ce pas? Encore un message de sa maîtresse, comme d'habitude. Ah. Comment il sait ça, lui? C'est lui ta maîtresse, c'est pour ça. Des camps, Léo, c'est moi. Garçon, ça fait... Go. Allez. Je sais que d'habitude, c'est les fans d'abord. Oh purée, crevard, direct, en même temps de plus en plus faire. Ouais, mais à chaque fois, c'est moi qui arrive en premier. Donc bon, on joue à Borderlands. Borderlands, oui, tout à fait, on va le faire. Jeu de coopération, bien sûr. Donc Riveless, Wiki, s'il te plaît. Donc, allez, sort la page Wiki. Donc ouais, Borderlands, il sort la page Wiki, mais qui a été développé par 2K Games et Gear Software, je crois. Gearbox, oui, pardon. Par contre, là, j'ai un trou de mémoire sur quand il est sorti. 2006, 2007. Ouais, 2007. Attends, j'ai la boîte devant moi. Attends, parce que je l'ai aussi sur PS3. Ouais, je l'ai sur PS3. Il est sorti. Nous allons customiser nos personnages. En 2009, et bah putain. Ah, j'étais pas loin. Ah, c'est la version gothique que j'ai maintenant. Hein. Donc moi, je vais faire un Mordecai tout black, tout dark, tout triste. Il souffre intérieurement. Ouais, donc on s'est aussi concerté pour savoir qui prenait quoi en personnage. Donc voilà. Et je prends le gros musclé, moi. Alors on va chacun parler un petit peu de son personnage. Dans la vraie vie, je suis vraiment musclé, donc... Riveless, il joue la biatch. Oui, je joue une sirène. J'ai des pouvoirs psychiques et je suis normalement censé être spécialisé dans les armes élémentaires. Normalement. Voilà. Ensuite, nous avons Léonours, qui est un gros nounours rose. Ouais, Léo, Brick. Bah donc moi je joue Brick, que j'ai appelé Lego pour l'occasion. parce que c'est une brique Lego. moi je suis un personnage bourrin, donc ma compétence par exemple sera de pouvoir castagner en étant immortel. Voilà, donc moi je vais être avec les armes lourdes, donc shotgun et bazooka à long terme peut-être. Ouais, je fais confiance pour les bazookas, ouais. Et donc on a Carrie qui est le soldier, le buffalo c'est soldier. Je suis le soldat inconnu, comme on dit, Roland de son prénom, que j'ai appelé Roland Garros. Et aussi, chose intéressante, tu seras le premier de nous quatre à mourir parce que tu joues le noir. Je tenais que ce soit établi. Que les choses soient c'est claires. C'est mon destin. Partiellement, ouais. Accessoirement. C'est vraiment de la merde. C'est connu dans toutes les aventures. Putain. Ouais, mon pistolet, c'est pas trop ça. Putain, il a explosé, lui. Tous les films hollywoodiens confirment cette théorie. Voilà. Et donc, mon pouvoir, ce sera de mettre une tourelle. Moi, je non, t'as le eu ton temps de parole, c'est bon, t'as eu ton temps de parole. Allez, suivant. Oui, bah c'est bon, crotte, hein. Une sirène, peut-être. Ouais, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, ah, shotgun, c'est pour moi. Et Ouro joue un sniper. Et moi donc je suis l'ami des animaux et j'ai plus rien qui fonctionne sur le jeu. Je peux plus zoomer, je peux plus sprinter, je peux rien faire. Alors peut-être. Je peux vous regarder. Ah, j'ai perdu la connexion. Non, là tu le vois. Par moi, ces enculés, il est relancé. Putain. Attends. Je l'invite. Oui, vas-y. La partie n'est pas finie, Ouro. La partie n'est pas finie. Non, mais j'espère bien, hein, parce que bordel, j'en ai marre. Donc là, t'es en train de te plaindre en direct, hein. Oublie pas. Mais je sais, mais j'ai pas arrêté d'enregistrer, t'inquiète pas. Ah, oui, c'est pas pareil, j'ai pas arrêté le record, moi. Personne prend le dernier pistolet, moi je le vends. Hein. Ouais, je pense. Ah non, c'est pour Ouro, peut-être. Ah bah attends, je lui donnerai quand il arrivera. Ouais, je l'ai invité, hein. Voilà. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes en train de jouer depuis... deux semaines, je pense, plus ou moins une semaine et demie, allez, on va être en train. Alors, il n'y a pas que vous, on y est tous passés. Hein. Moi, j'ai eu des lags, Riveless avec des morts de connexion, Carizov, ouais, voilà, la coupure de courant. Tiens, je t'ai laissé un flingue là, Ouro, là, à terre. Ouais, merci. Allez, force. Merci, messire. Donc, comme je disais, avant d'être mesquinement interrompu par SFR,
Je disais donc, je suis l'ami des animaux, donc je profiterai d'une. D'un rapace. Je sais plus comment elle s'appelle, Sanguine. Un rapace de pique. Ouais, Sanguine. C'est Sanguine, il me semble. Et qui donc va s'occuper de tuer les ennemis avec une intelligence artificielle plus que discutable. Hop là, moi je ramasse, hein. Ouais, si y a de la vie, ça me dit bien par contre. Même dimanche. T'as le cap à faire le bourrin. Onche. Combat rifle. Onche, tu veux du ponche? Ouais. Tiens, mais comme putain, ça, mais ouais, ce sniper ne vaut rien, sans déconner. Je sais que c'est le sniper de départ et tout, mais là, sans deck, quoi. Le headshot, il y était, là. Oh putain, ça... Et Léo, si tu pouvais arrêter de zigzaguer devant moi, ça serait super sympa aussi. Ça s'appelle jouer correctement. Non, ça s'appelle faire chier les gens qui sont derrière toi. C'est tout. J'essaie d'éviter les tirs. Excuse-moi, c'est une tactique de joueur. Toi, tu joues. Non, à Call mais alors, Duty, si tu veux jouer, si tu veux la jouer, Call of Duty, si tu veux la jouer tactique, si tu veux la jouer tactique, tu les contournes et tu le fais en sorte qu'ils ne nous regardent pas comme ça. Toi, tu peux zigzaguer comme un trou duc si tu veux, et nous, on peut leur tirer dessus sans souci. Je suis bourrin, mais logique. Pardon. Logique. Je crois qu'il me fait parler, mais il s'est arrêté de parler. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ouvre, il ferme pas sa gueule, peut-être. Plus de larmes que des rêves maintenant. De là, il s'adore. Alors moi personnellement, je vais laisser donc un petit peu le texte pour ceux qui veulent lire, parce que j'aurais pas le temps de le lire avec vous qui arrêtez pas de chafter. Ouais, moi j'ai laissé pareil, genre 2 secondes là, à l'écran. Tu mets le texte en appui sur le bouton pour lancer le jeu. Voilà. Voilà. Surtout que bon, c'est un peu la quatrième fois qu'on le fait, donc on est un peu lassé à force. Oui. On est un peu bordé là. On est un peu salé aussi. C'est gentil toi. Tu parles de quatrième réussi, ou on est arrivé à ce moment-là, peut-être. D'ailleurs, j'annonce des épisodes Director's Cut sur la chaîne. D'ailleurs, c'est pas la peine de m'attendre dans le jeu si jamais je découvre encore. C'est normal. Nous t'attendrons dans tous les cas. C'est pas grave, on servira de lui pour un gros boss. Je serai en train de courir contre un mur, donc normalement, il devrait pas y avoir trop de. Bon, bah, trop de danger. Justement, le problème c'est qu'on ne verra pas la différence par rapport à d'habitude. Mais c'est qu'il est drôle. Mais c'est totalement inattendu, voyons. J'ai mangé un clown. T'as fait plus que ça, mon ami. À mon avis, tu l'as sodoculé aussi. Bon, il faut quoi les bandits là? Bah, il faut passer par le milieu. Hein. Non, mais on attend Claptrap là. S'il pouvait se grouiller. Bon, je suppose que les gens l'auront remarqué, on connaît le jeu. Surtout le début. Très bien, les surtout le début. Ce sniper ne vaut rien, c'est de la merde, je confie. J'aurais besoin de la vie, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, excuse-moi. Aïe. Ah oh, putain, attends, je te réveille. Oh mais tu te fous de ma gueule, putain de sniper là? C'était quoi? Attends. Je le mettrai au ralenti, histoire que les gens le voient bien, ce machin, hein. Excuse-moi. Aïe. Ah, putain, attends, je te réveille. Voilà, j'ai mis le ralenti, hein, je vous laisse juger. Ah. Salut. Comment ça va? Ce qui est bien, c'est que du coup, sur ce genre d'objectif, on peut être... Oh, Ninja. C'est sûr que tu l'as eu? Je sais pas. Mais c'était cool. Pardon, j'ai ripé sur la touche T. Tant pour moi. J'ai une fuite. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Il fait carrément se pomper, il y a une fuite. Yo no quiero morir. Level up! Ah, ça fait déjà un petit temps, moi. Ouais, mais moi j'étais déco. J'ai levelé là tout à l'heure. Moi j'étais absent, d'accord? Faut aller voir Y, non? Pas la peine de remuer la cuillère dans la plaie. D'accord. Y'a plus? Déjà fini? Rendez la quête, s'il vous plaît, les amis. Je vais le laisser faire. Ça a l'air de lui plaire. Ah, c'est bon, rendez la quête. Bouclier. Non. Pourquoi c'est toujours
Mais tu peux pas. De toute façon, j'ai pas d'argent, moi. De toute façon, j'ai pas d'argent. Eh, tu vas prendre de la gueule tout le long du display ou quoi? Ouais. Donc il a eu le super bouclier. Oui. Alors, al bastardo. De toute façon, c'est de la merde. Oui, on aura bien mieux par la suite, mais bon, au moins... Bah voilà, il va pouvoir tanker, hein, Carrie. Maintenant que t'as un super bouclier, ouais, tu tankes. Ouais, c'est vrai, ça, c'est le tank qui devrait avoir un bon bouclier, merde. Ouf. Ouais, ouais. C'est en théorie, en fait. Ah, mais toi, à part bloquer nos balles, Léo, tu sers pas à grand chose. Hein. C'est bien Tekaba qui. Et toi, à part de bugger, non, tu sers. Merde, on a pas rendu la quête. Bon bah, allez-y, allez rendre la quête. Vous avez semblé. Sur le coup, je vous vois tous partir par là. Je fais, mais les mecs, il manquerait pas un truc. Ok, je m'y colle. J'aimerais juste d'avoir un shotgun. Celui de la tombe est pour moi, du coup. Parce que moi, je suis shotgun. Normalement, on doit aller. Ça, par contre, ouais. Honnêtement, je vais essayer d'être réglo. Hein. Si je vois par exemple qui utilise un sniper, bah je lui laisse son sniper quoi. Ouhou! Oh là là. Overly drunk soldier. Il est où Rivelas? Pourquoi il part? C'est moi le pecno qui suis allé rendre la quête là. C'est gentil. J'apprécie. Je fais vos cours, okay. Vous êtes méchant. Ouais, j'aimerais bien en tuer au moins un quand même. Pas que je me sois pas déplacé au moins pour rien. Non. C'est quoi que t'as à terre? C'est bon, j'en ai eu un. C'est bon, je suis content. J'ai fait ma part du boulot. Eh mince, j'ai pris un pistolet au lieu de. Niveau sup, je suis level 3. Yeah. On va tous au même endroit. Un shotgun. Et un flingue. Je vous laisse. Je prends les munitions. Hein. Ah bah le shotgun elle a l'air sympa par contre. Moi il me faut des munitions de sniper. Si possible. Je trouve ça dommage qu'on peut pas se passer des munitions par contre. Moi il me faut des munitions de. Comment ça s'appelle? De SMG. Par contre, moi, j'ai un combat. Il y a des sniper ici, Ouro, t'en as besoin ou pas? Un combat rifle, ouais, encore, ouais. Utilise, hein, du coup. Il y en a 3 là. Moi et moi. Sweet. Je pourrais avoir ton ancien à chaque fois? Oui, oui, toujours. Ici, Ouro, il y a une balle de snipe encore. Je les ai déjà. Ah, ici. C'est où? Ah, nice, merci. Ah, ça va vite ces merdes. Hein. C'est pas les plus rares, mais c'est celles qui donnent le moins en rendu, on va dire. Bah, en même temps, un sniper, c'est moins de munitions. Hein. Voilà, c'est ton choc que 6. Bah celle du SMG, ça part vite quand même, hein. Je vais rendre la quête. On va la rendre à TK. Coup TK. C'est à TK qu'on... Non, c'est pas à TK qu'on la rend. Non, tu vas la rendre à... C'est à Z d'abord. Z. Et après, on va voir TK. Et puis après, on va voir TK. Yes. Oh non, on connaît très bien le jeu, vous en faites pas. Non. Dès que vous faites... Ah, level supérieur. J'ai l'impression que je peux rendre deux fois les quêtes et avoir deux fois l'XP. Ouais, c'est souvent c'est un bug comme ça. Quand tu veux valider, c'est normal. En vrai, j'aimerais trop avoir son shotgun. Je crois qu'on peut l'avoir dans le 2. Ouais. Sur l'île des zombies, je crois. Ouais, ah non, c'est sur le 1. Dans le 1. Dans le 1, tu peux l'avoir aussi sur l'île des zombies, je crois. D'ailleurs, que je peux visiter présentement. Si Ouais, mais ils sont un peu haut level, non? Non, ils s'adaptent, je crois. Si je dis pas de bêtises. Shotgun! L'argent! Bon, c'est le moment de récupérer la bouffe. Je suis poursuivi par des bandits. Et mon sniper n'est pas assez précis. Mon sniper n'est pas assez précis. Tu vas aider Ouro? Oui. Bah, je vais faire ma quête avec Carrie alors. Non, ça va, je m'en sors. De toute façon, il reste assez loin là, il essaye de me sniper avec une SMG. Putain, il fait mal là quand même mon... J'avoue, il est pas dégueu ton shotgun. Hein. Merde, j'ai changé d'arme sans le faire exprès. Parce que j'ai changé d'arme, putain. T'as déjà que mon sniper est pas terrible, alors quand ils sont en mouvement... Shotgun, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai eu, lui. Ça. Il y en a encore un derrière toi.
package là. Les munitions, tu peux ramasser, j'ai tout ce que je veux. Hein. Je suis plein en vie. Oula. Voilà. Plus, mais... C'est bon, je l'ai crit. Ah, enfin. Putain, quand j'arrive à crit, hein, c'est bien. Alors, le premier sniper que vous trouvez, franchement, s'il vous plaît, parce que celui que j'ai, il est pas terrible. J'ai rien, hein. j'ai rien vu. Il tire des flèches. Ah, sans moi non plus. De toute façon, il y a la maîtrise des armes aussi, j'avais oublié dans ce jeu. Oui. Mais plus on utilise une arme, plus on a des meilleures stats. Moins il y a de recul, ça je sais pas, mais je sais qu'on vise mieux en tout cas. Il y a plus de précision, plus de recul et peut-être plus de dégâts aussi, c'est possible. Mm. Ah, la sirène quand elle court, on dirait qu'elle fait ouais, c'est un sale bruit quand même. Ça va. Oh merde putain, c'est ça, oh, réflexe. La bouffe. Peut se casser. On a tout. Voilà. Money. Oui, allez. Je vais tu vas devoir faire des courses du coup. Ouais. Pour toi, des munitions. De toute façon, on va devoir aller acheter des grenades. Ouais, c'est ça, la prochaine mission, ça va être d'acheter des grenades. Donc là, on va déjà rendre la mission. Je vois que Léo est bien parti pour. Ouais, allez déjà chercher les grenades à la limite. Je vous rejoins. Allez, on bifurque. Méthode speed rune. Ça. Voilà. Donc acheter des grenades. Putain mais Riveless il a 500 mètres d'avance sur moi et je l'entends quand même couiner comme une figurine. J'arrive Oro, je viens t'aider. Ça va, ça va. Ah putain, il y a des bandits. Oh shit. Casse-toi le nain. C'est le moment d'acheter des munitions aussi si besoin. C'est le moment de piller le truc de munitions au besoin. Encore un. Oro, il y a un sniper level 5 dans le haut, oh, il est cher quand même. C'est celui, c'est la rareté du truc. Il coûte 3700, 95 de dégâts, 88 de précision. Combien attends ? Niveau 4. 95 et niveau 5 le sniper. Non mais il coûte combien ? 3800 à peu près. Je passe, il me manque la moitié de combien il coûte. Attends, j'ai combien moi ? Ah, j'ai même pas assez pour t'aider. Par contre, il y a plein de snipers là. Il y a des. Un qui tape. Il y en a des Leader Price aussi. Ouais, mais ils sont pas mal, ouais, hein, c'est des Jacobs. C'est le genre de truc non, quand tu fous dans la tête. Un critique. Je vais en prendre un blanc, hein. Je vais en prendre un blanc. Bah, je peux pas les porter, de toute façon. Donc, il coûte 500. Ouais, celui-là, il a l'air pas mal, hein. Tu les as. Ouais, ouais, t'inquiète. J'ai vite fait 22-3 trucs. Bon, c'est à peine mieux que ce que j'ai, attends. Comparé. Ouais, non, si c'est mieux déjà en dégâts. Ah non, il est moins bien, il a Il est encore moins bien, je sais pas qu'est-ce que t'as donc. Ah non, attends, c'est con là, je suis en train de me perdre. Ah oui, quelqu'un voilà. veut mon ancien shotgun peut-être ? Ça intéresse quelqu'un ? Non, ça devrait aller. Vas-y, fais péter. Moi je tu veux le bien. Non, merci. Ouais. Attends, je viens ici. Hop. Attends, merde. Donc, pour lâcher, c'est comment ? Espace. C'est espace. Tac. Voilà. Tiens, okay. Merci. Ça, je pourrais faire paf paf du coup. C'est pourquoi je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Référence hein à. Non. Ah oui. je vais te comprendre sur le coup. Avec mais Tortue Géniale, avec Bulma, je peux faire paf paf. Dégueulasse. Tu n'es qu'un porc. Oui. Ah les grenades, ça je pense que je vais utiliser pas mal. J'ai utilisé beaucoup avec Roland à un moment donné. Ouro, t'es un peu à la traîne. Je sais, je suis en train de refaire des achats. Ah, t'avais pas fini, pardon. On va peut-être l'attendre. Ouais. Il fait du lèche-vitrine. Non, on t'inquiète et on va l'attendre alors. Parce que je crois que la suite c'est. Skag Gully. On voit le magnifique crâne dégarni de TK. Bah, je coupe. Je coupe pour faire le ménage, commence à faire le ménage. Hein. Très bien. Ouais, t'as bien raison, de toute façon, on te rejoint. C'est sur le chemin. Ouais. 9 orteils élimination. Bah lui il est fini. Na 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 na. Da le du da du. Je me promène. Et quand je me lève, si haut dans le ciel. C'est de la merde. Je vous dis d'avance.
Ah, j'ai une référence à Benzaï, ça? Non. Non? Parce qu'ils chantent tout le temps ça, je sais pas. Bah, quand si, si, mais... C'est bon, t'énerve pas, il est mort. Meurs. Pourriture communiste. Alors oui, je vais peut-être montrer un truc, moi j'ai envie de montrer un petit machin, c'est que dans ce jeu, il y a énormément de défis qui peuvent vous permettre d'avoir de l'expérience, comme par exemple détruire autant de crottes d'animaux, etc., ouvrir des coffres, etc. Donc voilà. Tu les vois déjà comment, les défis? Moi je vais, comme quand tu vas sur l'inventaire, mais il y a une touche raccourci, mais moi je fais inventaire, et puis je vais directement pour voir la liste des quêtes. Donc tu as la petite cassette audio, ouais. Puis tu vas sur les trois médailles en haut à côté du trophée, et là t'as toute la liste. Fait. Tu vois, tuer 100 ennemis, tuer 250 ennemis. Oui, ou genre, voilà, ça, c'est... tuer X ennemis avec telle arme en plus, enfin... Voilà, voilà. Ça augmente de l'XP, etc. C'est plutôt sympa. Par contre, je prends un KOS Shotgun si je peux déjà, c'est ce que j'allais faire aussi. Moi, je prends Combat Rifle. Non, pas ça... Bon, on verra pour la suite. Et je vais prendre des munitions de SMG parce que j'en ai besoin. Ah, il y en a qui s'amusent avant nous. Hey, Ouro, ouais. tu snipes. Hey, Ouro, tu fais quoi? Tu devrais peut-être regarder derrière toi à un moment. Mais où qu'il est, ce con? Bataille! Voilà. Ah, la saut! Ça va, Ouro? Il y a moyen de faire chier grave. En fait, c'est un Graal en rôle de sniper. Aïe. Il a pas aimé. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Hein. C'est clair. Est-ce qu'on peut pas l'activer en plus? Non, suffirait de lancer un défi avant de commencer chaque zone. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez buter ou pas? Oh, les gars, c'est comme ça qu'on fait, merde. Oui, bah moi je suis pas la carte de base alors, hein. Pareil, j'ai soit un sniper de merde, soit un flingue de merde. Voilà. Les options sont très limitées. Je crois qu'on a tous des armes encore pas terribles pour l'instant, mais bon. Le truc c'est que je peux même pas toucher les ennemis avec. C'est ça le problème de mon arme. Moi j'ai eu de la chance, je dois l'avouer. Je suis plutôt bien avec mon arme. Oh, il fait du toboggan lui. Par contre, il y a un shotgun je crois là-dedans. Dans la tête. Il y a un pistolet aussi. Il me semble que le shotgun, je vais peut-être pouvoir me faire plaisir avec. Oula, attention. Ah non, c'est un bon snipe. Yeah! Bah y'a rien pour moi, le pistolet. Bah écoute, à la limite, si t'as un deuxième 3 coups, si t'as un meilleur 3 coups, donne-moi l'ancien. Je prends le meilleur, on est d'accord? Ouais, allez. J'aime le bruit que ça fait. Après le pont. Il est bien. Personne prend le dernier. Moi je prends, je veux bien l'avoir. Ah y'a le pont, j'ai pas vu, attends. Oh, il est bien ce sniper! Bah, oh là là, bon le maire! Bah je vais le prendre parce qu'il est mieux à l'évidence. Tu me donnes ton 3 coups et Quel 3 coups truc. Bah tu utilises pas 3 coups toi? Bah non. Ah, c'est qui utilise le 3 coups du coup? C'est les combats rifles les 3 coups. Ouais, c'est le combat rifle pardon. Ouais mais tout ce qui est 3 coups je prends pas, j'aime pas les 3 coups. Moi je veux mitrailler. Y'a personne qui prend le combat rifle? Je prends les combats rifle mais ceux qui sont comment ça s'appelle? C'est semi-automatique je crois. Ah les SMG toi tu parles. Non plus. Non, t'as des. Les coups par coups, les. J'ai un combat rifle qui a 30 balles et je peux tirer en rafale. Comme ça. Je sais pas si c'est le terme. Bah oui, mais ton ancien combat rifle, quoi, c'est ça qui m'intéresse, peu importe. Oui. Généralement, ils font 2-3 coups, quoi. Ce serait pour échanger. Rusty Machine Gun. C'est quoi déjà la touche? C'est espace, ça? Voilà. Espace, ça. Il est bien ce flingue, j'adore. Il est bien. Il est top, Moumou, là. Ah, le sniper que j'ai eu, il est mieux. En fait, ce pistolet, il snipe. C'est... Du coup, je prends des balles. Dommage. J'aurais bien voulu un mode de grenade healer.
Ouh. Ah, ouh. Et c'est là qu'on s'amuse. La tourelle Scorpio. Donc maintenant, on va être à 6. 5, pardon. Je sais pas compter. Ouais, ça prend plus, là, Léo. Oh, le headshot. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était beau. Je tirais sur tes fesses comme t'étais aux premières loges. T'as aimé ça, hein ? Ah. Un deuxième trou de balle. Moi aussi, j'aimerais tirer sur tes fesses, mais pas avec mon pistolet. Oh. 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 Yeah. Nani Kuli Mastayo. Je crois que c'est un boss. Nine toes. C'est parti pour also, he has three balls. Ça fait combien de fois qu'on l'a tué? Deuxième, c'est la deuxième fois qu'on le tue. Je crois qu'on l'a même pas eu une fois. Ah non, on l'avait fait une deuxième fois parce que Riveless. Voilà. Moi je m'occupe d'un chien moi parce que. Putain. J'ai pas réussi à lui mettre un seul headshot, je crois. Léo, tu tiens un poil de fesse en vie. J'ai eu le frag. Par contre, merde, j'aimerais bien activer ma folie meurtrière. Ah, le lance un peu loin, ma grotte. Moi aussi. Où qu'il est, lui. J'ai eu le chien. Il reste plus que petit doigt. Enfin, Qu'est-ce qu'il te dit, le petit doigt? Il bouge ton plomb en silence. Attendez, il est en train de... Il ouvre sa gueule. Voilà. Une petite balle de sniper bien placée. C'est quoi déjà? Oups, attendez, son arme c'est quoi? Je l'ai prise pour une latence. C'est un repeater incendiaire, je crois, non? Oui, il est incendiaire. Oh, il y a un beau shotgun pour celui qui veut, il y a un SMG ici. Il intéresse personne, le flingue de 9 orteils? Mais tout le monde peut l'avoir. C'est quoi comme flingue? Attendez, encore un sniper. Cratère, comme ça tout le monde le verra. C'est pour moi. Non, merci, c'est gentil. Par contre, en haut, j'ai ouvert le coffre blanc. Il y a un shotgun qui est exactement le même que le mien. Et il y a un SMG si ça intéresse quelqu'un. J'ai pris un deuxième sniper, moi. Je le vendrai. Rivlo, tu veux le shotgun ou pas? Le shotgun, non, à la limite, je peux prendre les flingues. Vu que personne ne les prend, ça me dérange pas de jouer au pistolet. Alors, il est où déjà le coffre blanc? Tout en haut, des estrades. Rive là, c'est tout près normalement. Oui. Alors, dedans, il y a un pistolet mitrailleur. Je veux bien le prendre. Il remplacerait le mien. Moi, je prends le. Une question simple. Les enregistrements, vous voulez faire ça à quelle heure, combien de temps? On est déjà une demi-heure, c'est pour savoir un petit peu comment vous voulez faire. Merde. C'est pas ça que je veux faire. Moi je pensais faire des sessions d'une demi-heure, ouais. Ok, bah. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter sur la mort de Neuferteil. Bah, on va peut-être prendre la quête, comme ça elle finit, et puis on peut y aller alors. Ça me paraît bien, ouais. Ouais, j'ai pas étanché ma soif de sang encore, moi. Mais c'est pour. Là, l'épisode. Ce que je veux dire, c'est que là, on a eu aucun problème, on a le premier épisode, que c'est bien. Oui, à la limite, si on a le... C'est bon, Marcel, c'est dans la. Je suis en train de mourir. J'ai cru que j'allais crever sans déconner. Bon, allez, je t'attends au gros parce que je suis sympa. Mange mon oiseau. À la limite, ce que je veux dire, c'est si on a le temps pour faire un deuxième épisode. Oui, on a le temps. Il marche plus l'ascenseur. RIP. C'est bon. J'ai fait tomber, putain. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du coup de... On a beaucoup parlé du gameplay et tout, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'histoire. Alors nous incarnons des chasseurs de l'Arche. C'est quoi une histoire? Mais qui ne connaît pas l'histoire de Borderlands? C'est quoi une Arche? Bah éventuellement les gens qui nous regardent, donc ce serait bien de leur expliquer. Oh putain, lui m'a fait peur ce con. Au secours! Au secours! Au secours! De quoi au secours? T'es où? Ah, je lag dans tous les sens, sérieux, c'est horrible. Bah tu vois, c'est le moment d'arrêter, je pense. On va aller rendre la quête et... Sérieux, est-ce que je peux avoir plus d'une frame toutes les 3 secondes? T'inquiète, on a fait ce qu'il fallait faire. On maîtrise la situation. Je vois rien. Et moi aussi. Ah, on peut peut-être faire le boss qui vole, là, le boss volant.
On peut l'aggro, on peut se le faire, vite fait. Le boss volant. Suivez-moi, suivez-moi. Bon bah, petit extra. Ouais mais attends, t'es en train de laguer. Pour toi, public. Juste, t'es en train de laguer et tu voudrais qu'on se fasse un mini-boss. Mais ouais. Ouh, joli. Écoute, c'est toi, moi je lague pas. Je vais me mettre en colère. Enfin. Je vais tout casser. Où ça, y'en a plus. Donc voilà ma compétence. Pour ceux qui regardent chez moi. Et je suis là, immortel et je fais mal. Je suis Rocky Balboa. Non, là c'est des skags, pas des bois. Oh. Oula. Oh, c'était une bonne blague. Oh. Oula, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Mon alors avis voici mon pouvoir, c'est l'hyperphase. Je me mets invisible et je me déplace super vite. Et il fait une explosion nucléaire. Oui. Donc ceux qui sont touchés près de moi, les ennemis notamment, bah ils prennent cher les salopios. Moi ce qui me fait rire un petit peu c'est... t'as donc la sirène qui devient invisible, qui envoie des décharges, etc. De l'autre côté, t'as l'autre qui lance une énorme tourelle. T'en as un autre qui devient immortel, qui peut taper super fort. Et puis t'as un connard qui lance un oiseau. T'emmerdes. Attends, j'ai raison ou pas? Moi je fais plus de dégâts que vous avec mon shotgun. J'en tue 3 d'un coup moi. En fait j'ai menti, il y a pas de mini boss hein. Ah, ça va bien. C'est ce qui me semblait. Ça va bien, il y a pas de mini boss hein. Mais tu vois, Riveless a gagné un point d'expertise en SMG. Remercie-moi. Oh, c'est trop aimable. Merci bien. Merci monseigneur. Merci maître. Protégez-moi. Il y a un loot vert là, il y a un loot vert les mecs. Il y a un loot vert. C'est un petit pistolet. Putain, c'est trop de stress. Bah, c'est pour moi du coup. Personne veut les flingues alors je les prends. Voilà. Ouais, c'est un petit pistolet, je l'ai pas ramassé. Il est petit et mignon le pistolet. Et ceci bon, bah c'est bon, on peut s'en salut aller. Salut les hein. Amis, c'est petit le timbre. Bah attends, il y a un coffre rouge là au fond. Go! Ouais, mais on allait passer là dans l'épisode suivant parce que c'est. Ouais, mais c'est un nouveau là du coup. Bah non, c'est on tombe tout de suite là maintenant. Du coup, j'y vais. Oh au là coffre. Là. Ah, mais tu voulais faire des épisodes d'une demi-heure. Oh. Oula, il y a un joli sniper. J'avions pas compris. Il est incendiaire. Ouh, déjà ? Y'a pas un shotgun ? Si. Oh non, je suis tombé ! Où ça ? RIP. Ah, t'es tombé ? Non, c'est con ça. Bah là, à côté, là, le coffre. Reste non, une RIP in peace. Le loot ! Gardez-moi le loot ! Je travaille là, les mecs. SV, please. Moi, je suis en train de cac avec mon sniper, je suis en mode no scope là, genre salut. Mon expérience sur Call of Duty m'a apporté. Bien des avantages dans ce let's play. On notera le parallèle entre Call of Duty et Borderlands, qui n'est pas du tout insultant. Non, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tu parlais de quel shotgun toi? Bah y a un shotgun dedans à côté du snipe, non? Ah non, c'est un 3 coups, c'est un combat récent. Bah tu sais, je me faisais courser le derche par des skags, donc j'ai pas bien regardé. Bah d'ailleurs il est bien. Ça donne presque envie de gagner un level. Et moi pendant ce temps là, je défouraille du skag. Ouais, mais bon, t'es bon qu'à ça, hein. Ceci dit, là, je vous propose qu'on aille vraiment ramener la quête. Mais c'est toi qui nous dit que... Non, c'est toi qui nous a dit de... Il y a un coffre rouge, là, hein. C'est qui qui a dit qu'il y avait un coffre rouge, hein. Il y avait un combat rifle, mais c'est un 3 coups comme t'aimes pas, donc je me permets de le prendre. Vas-y. Je suis level 6. Je suis magnanime. Je te laisse le combat rifle. Alors, point de fer, comment on va dégâts de corps à corps. Allez, voilà, merci. Je suis nul. Attention, je suis nul. Ah, mais c'est vrai que j'ai une buse. J'ai une buse qui peut faire du travail. Bon, j'ai augmenté ma santé avec mon niveau, moi. Alors, moi, je pars en soldat. Munitions ou soigneur? Bah, soigneur, tant qu'à faire, non? Perso, je n'aurais pas de soutien, moi, hein. À part peut-être pour le corps à corps, mais ça, je ferai peut-être une synchronisation après. Dans un premier temps, le soin, ça paraît mieux. Ouais, bah perso, c'est ce que je préfère aussi, hein. Tant que j'ai pas de bon bouclier, rien du tout. Moi d'abord, Riveless, moi d'abord. Non. Attendez-moi. Alors, salope, oh merde. Oh non, oh merde. Ah, putain! Sauvé par le gong! J'ai déjà sorti mon shotgun et tout, moi j'avais préparé des grenades.
C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là, c'était les duels. J'étais prêt à t'en coller une, mon vieux. Allez, c'est bon, ça a vaincu Rivless en duel. Allez, va rendre la quête. Eh, hey, hey, Rivless, hey, maintenant attends, ton nom c'est FedEx. Attends, attends. Rivless, il ne dit rien, mais le jeu a considéré que j'ai gagné hein, le combat en duel. Il était inscrit, Léonours a vaincu Rivless. Sérieusement. Parce que t'as fui. Parce que t'as fui. Ah, c'est moi qui. Ça considère que t'as fui. Comme une gonzesse. Ah oui. Ah, c'est. Oh, c'est pas lui qu'il faut rendre la quête. C'est à tes cœurs. Oh merde. Urogo. C'est pas moi qui ai le buff sirène, hein. Ah bah attends. Go, go, pour un sniper. Il y a un cooldown. Oh, j'étais choisi, go. Coucou, Kari, ça boum. Mais t'es Sonic en fait, c'est toi qui devrais avoir l'icône de Sonic sur le overlay. Putain, je snipe avec un bourrin quoi. Oh yeah. Level up. J'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire comme build pour le jeu d'ailleurs. Bah moi je découvre, j'ai jamais joué Brick en fait dans ce jeu. Bon, je vais regarder déjà les premiers talents. Alors, soit la précision, les dégâts, oh, voilà, les dégâts de sanguine. RZEEQZZ. C'est quoi, on a tapé par une intense. Alors moi je suis un peu plus pour partir. On arrête après Z. Je pense qu'on va chez Z, oui, après on va s'arrêter. On arrive à 40 minutes là, donc je te dis un bel épisode. Ça fait une belle vidéo et on peut en je faire prendre un peu de précision, ça fera pas de mal. Et surtout, je tiens à souligner qu'hormis le petit couac au début de l'épisode, tout s'est très bien passé. Pijou, ça décourage tout le monde. Oh bah, invasion de zombies nucléaires. Oh, c'est dommage. Le mec il rêve ça, il veut que ça. Panneau des primes. Donc on va pouvoir commencer à se servir des véhicules aussi. Un bouclier régénération santé, oui. J'en ai déjà un moi. Oh bah maintenant j'en ai aussi. C'est vrai que j'ai encore un petit bouclier de merde. Est-ce que je peux pas avoir un petit peu mieux? Hop. On rend les quêtes. Autolock. Oui, il m'intéresse. Et bien ça attendra la prochaine vidéo. Oui. Oh, tout à fait. Ce cliffhanger. Eh hey, oh. Est-ce que je peux utiliser l'autolock, s'il te plaît, jeu? Allô? Oh, Rivless, t'as un de sécu quand même. J'ai quand même pas besoin que vous soyez à côté. En parlant de voiture, t'as des sacrés pare-chocs avant. Mais c'est dégueulasse. C'est du harcèlement. Ouais, tu peux même pas défiler la putain de message. Bon, est-ce qu'on fait une pause Power Rangers et on s'arrête là? Nous allons donc réellement s'arrêter ici, parce que là ça fait 10 minutes qu'on dit qu'on va s'arrêter, que bah en fait non. Il y a Uro là-bas qui s'éclate. Oui. Ouais. Il est en train de tuer, il est en train de prendre de l'XP. Je rattrape le retard. Uro ouais, de la jungle. Moi je suis en retard. Ah non. T'es toujours en retard. T'es retardé mentalement déjà. Oh, non, je parle d'Uro, pas de toi. Non, je t'ai bien raison. Moi je l'aime pas donc. Donc on va vraiment s'arrêter ici. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis je remercie également mes chers collègues d'avoir bloqué leur soirée, et surtout je remercie le hasard, le dieu et la chance pour que tout se soit bien passé. Ouais. Prions le dieu chips au barbecue, le dieu Lays. Prions, oui mes frères. Bon allez. Eh bien. Voilà. Bye bye. Ouais. Merci bisous à tous les gens. Et à bientôt. Salut. Bye. Tchuss.